Donc, hop. Si j'enlève ces deux fonctions-là. Zut. Si j'enlève ces deux fonctions-là. Voilà. Là, j'ai juste mon parcours. On va renommer la fonction install parce que c'est plus, ce n'est plus pertinent de l'appeler comme ça. Mais on, comment on peut faire? On peut prendre ça. On peut prendre ça comme ça. De réfléchir. On va créer une autre fonction qu'on va appeler. Donc là, vous voyez, hein, moi, le rythme a baissé là. Hein, je suis en train de réfléchir. On va appeler ça. Hit. Et ça va prendre un target. Ça va prendre une cible. Oui, je mets un underscore devant toutes mes variables. Comme ça, au moins, je sais ce que sont des variables et ce que sont les mots-clés ou les fonctions. Du coup, quand je hack, je vais faire plus ou moins. En fait, je vais faire ça, mais on va le modifier légèrement. Ok. On va reprendre ce if là et on va le mettre après le scan. Et tout ça, j'en ai plus besoin. On va juste refaire aussi. Alors attendez, je vais. Hop. Ah, alors ça c'est pas cool, j'ai une syntaxe error. Parce qu'il me manque. Ok, il me manque ça. Tac tac tac. Du coup j'exécute ça, je fais mon scan. Et ici, avant de faire mon inArray, je lance un hack hit. Pas sur target, sur host. Du coup, on va pouvoir gagner un petit peu de trucs. Attendez, il faut juste que je modifie un truc. C'est il faut aussi. Ah, donc je vais grossir encore un petit peu le truc, mais. As root access. Sur la target. Si on a accès et que ce n'est pas home. Alors, on tente une attaque. Ok, du coup, ce truc-là, on va le placer plus haut. Le while, on va le déplacer tout en bas. Le install, on va le renommer main.
Et on va supprimer l'ancien main. Voilà. Donc on vérifie. Tac, tac, tac. Main target. Il faut que je fasse un home. Et du coup, ce truc-là ne sert plus. Alors. On a commencé à faire bouger les choses, hein. On a plusieurs choses qui sont tombées. Ok. Du coup, je récapitule. Du coup, j'ai repris mon script qui me permet de parcourir les nœuds. Et en termes d'action, juste, quand on découvre un nouveau nœud, enfin quand on parcourt un nouveau nœud. Ah, ouais, du coup. On va faire ça comme ça, du coup. Non, ça sert à rien, ça. Non, bah ça sert à rien, excusez-moi. C'est moi qui dis vague. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus de notion de true ou de false. Par contre, je suis obligé, c'est ici, après mon soin, de faire un return true. Ok. Autre chose, mon install, il y avait un souci. Là, mon Akron, il fait 2,5 gigas. Donc ici, c'est pas 4,5, c'est 2,5. Faut que je mette. Voilà. Et j'oublie un point virgule ici. Et en JS, il n'est pas obligatoire le point virgule, mais je le mets quand même. Du coup, on est d'accord, hein. Si donc je parcours mon hack et au moment où je trouve un nouveau nœud, je tente de le hack, c'est-à-dire de voler de l'argent qu'il y a dessus, si c'est possible. S'il a moins de 1000, je fais un gros. Si mon attaque, s'il a plus de 1000 et que mon attaque échoue, je fais un weaken. Ça me paraît propre. Ça me paraît propre. Sauf que, effectivement, il faut que je fasse ça. Faut que je fasse un underscore explore. Explored égale. Faut que je réinitialise ma liste des nœuds explorés. Parce que sinon, il va l'exécuter qu'une seule fois et quand tous les nœuds seront explorés, il va tomber en rideau. Il va tourner en boucle dans le vide en fait. Ok. Du coup, mon hack, moi qui installe, faudrait que je fasse la même. Lui, il retourne true systématiquement. Donc normalement, si je fais ça, ça fonctionne aussi. Et je gagne une ligne. C'est juste de l'optimisation de code là, c'est juste de la micro optimisation. Ici, je peux encore simplifier.
Parce que j'ai deux ifs qui se suivent. Du coup, je peux faire... faire ça comme ça et supprimer une accolade. Ok. Je pourrais simplifier encore le code, mais est-ce que c'est... Ah, ça serait pas forcément utile. Mais il y a moyen de faire des trucs. Alors, je pourrais mettre un if existFile avant le SCP, parce que là, obligatoirement, ma fonction SCP, elle renvoie systématiquement le virus. Mais c'est surtout que si je modifie le virus, au moins je veux que la mise à jour soit appliquée. Alors que si je mets un if file exist script run, en fait le script ne sera pas mis à jour si jamais je l'ai modifié. Ce qui est ennuyeux. Moi, cette imbrication de if, elle m'embête. Mais je vois pas comment faire autrement. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas comment faire autrement. Faudrait que je fasse un test. On va faire un petit test. On va faire un petit test, voir si il y aurait moyen de peut-être automatiser. Enfin, de peut-être simplifier ça. Faut juste que je regarde. On va ouvrir un... Hop, je vais retourner sur mon home. Et je vais faire un ls. Est-ce que j'ai quelque chose? On va tenter ça sur Noodle. Du coup, on va modifier Noodle. Ça, c'est le tout premier script que le jeu vous fait faire quand vous suivez le tuto. Voilà, ça vous permet de hacker en boucle, même si ça, c'est limite quoi. Et vous avez vu, déjà, je suis à niveau 8 en hack. Oh, bah, et puis j'ai pas tardé à passer à niveau 9, tiens. Mes petits scripts, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Bon voilà, là je parcours des serveurs qui ont besoin de 4 ports ouverts, 5 ports ouverts. Bon voilà, il y a des. Faut qu'on trouve. Faut qu'on trouve des trucs. Alors, on va améliorer. On va améliorer le niveau. Hein. Pas plus pour le moment. Bon. Ok. On va aller rapidement à l'université. J'ai besoin d'apprendre à hack plus vite. Du coup, on va prendre les cours gratuits. Voilà. Comme ça va augmenter mon niveau de hack un petit peu plus constamment. Et puis, on...
puis voilà, ça va. On va se laisser guider par ça. Jusqu'à ce qu'on ait un nouveau cahier de programme, un nouveau truc. Je suis pas loin des 8K, mais c'est pas grave. Donc, je voulais essayer un truc. Si je mets. Parce que normalement, je sais qu'en PHP ça existe. Est-ce qu'en JS ça existe? Si je fais var underscore print égale entre guillemets print. Que je fais un écho. Que je fais un. Non, on va pas faire un print, on va faire un tprint. Et que je fais un underscore tprint de. Ok. Tout petit script que j'enregistre. Je vais dans mon terminal et je fais run node. Tprint n'est pas une fonction. Pourtant, je l'ai bien dans la doc. Ah, j'ai plus la doc. Attendez, 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 attendez. Hop. Hop, script editor. Il faut que je clique sur documentation. Et j'avais un truc, tprint. Oui, tprint. Qui est censé afficher dans le terminal. C'est bizarre, c'est censé. Bon. Si je fais un tprint normal. La question c'est est-ce que je peux en fait glisser un nom de fonction dans une variable pour pouvoir l'utiliser. Si je peux faire ça, je peux simplifier mes ifs qui se suivent là. Je peux changer ça par une boucle for each. Donc voilà quoi. Faut que l'idéal c'est de réussir à faire ça. Du coup, on va relancer le sauvegarde ça. Et terminal, et on relance le script. Donc le OK1, il est passé. Mais par contre, ça. Ça marche pas. Ennuyeux. Ennuyeux, ennuyeux. Comment on peut faire? Comment on peut faire ça? Et si je fais comme ça, je lui donne la référence tprint. Putain, ça marche. Excusez-moi pour le gros mot. Mais ça fonctionne.
Donc ça, on peut faire ça. Si on utilise le nom de la fonction sans les parenthèses, le JS comprend qu'on veut la référence du de la fonction. C'est vrai que ça fonctionne comme ça, JS. Enfin, ES6, ES5, ça marchait comme ça. ES6, je sais pas si ça marche encore. Mais on s'en fiche, on est en ES5 là. Tiens, tiens, tiens. Et ben, on a un premier programme que l'on peut développer, l'autolink. Ah oui, c'est vrai que c'est une fonction que je vous avais pas montré ça. On va le lancer hein, de toute façon. Donc on va se mettre à développer ça. Mais il y a une commande super pratique que je ne vous ai pas montrée. C'est celle-là. C'est scan-analyse. Scan-analyse. Et ça va vous donner déjà quelques petites infos sur les serveurs que vous possédez. Mais, petit subtilité en plus, vous pouvez mettre derrière un nombre de niveaux, enfin une analyse de profondeur. Si je fais un scan analyse 2, boum, j'ai mes serveurs de niveau 2 qui apparaissent. C'est-à-dire que Nectarnet est lié à Noodles. Voilà, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Actuellement, je ne peux pas taper 3, je crois. Ah si. Ok, 3, je peux. Ok, donc je peux aller jusqu'à 3 max actuellement. Mais après, je pourrais développer un programme. Ça fait partie des programmes que je peux développer. Ben, c'est ce que fait l'autolink en fait. Voilà. Quand j'aurai développé l'autolink, je pourrais aller jusqu'à 5 en profondeur avec cette variable-là. Non, c'est pas le. C'est pas la profondeur 5. C'est avec cette. Excusez-moi. Avec ce programme-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est après, je vais pouvoir directement cliquer sur un serveur pour m'y connecter dans le terminal. Ce qui va me faire gagner un temps fou. Parce que, par exemple, pour accéder à Neonet, par exemple, je suis obligé d'abord de me connecter à Sigma Connectique, puis à Max Hardware, puis arriver enfin à NeoConnect. À Neonet, pardon. Ce qui est pas très pratique. On va se l'avouer. Ça permet de voir aussi un petit peu qu'est-ce qu'on a réussi à hacker ou pas. Bon, on n'a pas hacké grand-chose. Hein. On n'a pas grand-chose en deux hackés. Pour le moment, on a 7 serveurs qui tournent pour nous. Mais en vrai, on va couper. On va relancer tout. On va relancer le tout parce que je vois que ils ont pas. Est-ce que. Ouais, c'est bon, pas de soucis. Ok, donc ça c'est notre programme. Donc ça c'est en cours. On va donc refaire un petit ls. On est d'accord que là. Là, c'est 2.5. On est d'accord. Du coup, ouais, du coup, on va le relancer. Alors, on va le relancer et avec les trades. C'est-à-dire que je veux le lancer avec cette trade pour qu'il aille plus vite. Pourquoi 7? Parce que c'est le maximum que pour le moment mon serveur peut tolérer. Voilà, vous voyez, il est full là, mon serveur. Et déjà, c'est bon quoi, ça a commencé à envoyer là. Ah, j'ai un souci.
Ah oui, ok, oui, excusez-moi. Hop. C'est normal, c'est normal. Ça a planté, c'est normal. Vous voyez, je fais bien de vérifier. On a oublié un truc. La fonction inarray là que j'ai depuis depuis Locutus, il faut que je la mette aussi dans Acron au départ. Parce que sinon ici là, je fais appel à la fonction inarray, mais il ne sait pas où est-ce qu'elle est. Du coup, je suis obligé de la copier aussi ici. Mais ça me coûte pas plus cher. Ça me coûte pas plus cher. Du coup, voilà. Ok. Je voulais faire quoi? Avant d'être interrompu par ça. Je crois que je voulais déjà checker ça rapidement. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Je suis à combien? 33 par seconde. 49 par seconde. Mais je peux acheter d'autres nodes. Qui fait que je suis à peu près à 70 $ par seconde. Ça va. Ça va, ça va. Niveau faction, j'ai toujours rien. Ok, ici c'est bon. Niveau de mes stats. Oui, bah oui, ça bouge pas, ça. Voilà, et donc j'ai le temps joué depuis la dernière installation des upgrades. Ok. Je vous propose c'est de voir un petit peu qu'est-ce que je prévois d'autre dans le futur. Parce que j'ai déjà fait 2-3 trucs. Alors, premièrement, quand j'ai appris donc qu'il y avait des autres hacks. D'ailleurs, on va regarder rapidement, mais. Ouais, voilà. Il y a le. Il fait quoi déjà le flight? Ah, il retourne. D'accord, il retourne plus d'informations sur. Sur. Enfin, sur moi en fait, sur l'utilisateur en fait. D'accord, ok. C'est juste un accès. C'est juste un raccourci d'accès aux statistiques. Ouais. C'est peu pertinent. Mais ok. Donc pour le moment, vous avez vu, on a que Nuke, de toute façon. Et on n'a plus les. On n'a plus les autres fichiers. Ah, mais même mes leads. Même mes fichiers leads, ils ont disparu. Alors ça, c'est un peu con. Parce que j'en avais récupéré quelques-uns. Puis il fallait que je fasse. D'ailleurs, je l'ai même pas fait ça. Il faudrait que je le fasse. On va le faire rapidement, ensemble. Si je fais 4 de hacker, hop, voilà. Ça permet de lire en fait des textes comme ça. Les points lit en fait c'est comme des points texte. Ouais, bah ça vous explique les fonctions du jeu en fait. Ok. Ça, c'est bon. Et si je regarde par contre mes trucs actifs, voilà. Là, les capacités de RAM sont quand même beaucoup plus utilisées. Et j'ai 8 serveurs contaminés qui hack en permanence. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Nodle il a que 4 gigas, hein. C'est pour ça que il a, à mon avis, il a que 2 threads.
Il n'y a qu'un Fred. Oui, parce que 2.5, s'il le lance deux fois, ça fait 5 gigas, ça dépasse. Mais voilà, c'est pour ça que lui, il est pas à fond, mais il peut pas être à fond. Il a trop peu de RAM. Par contre, les autres, les 8 gigas de RAM, là, ça y va. Ça y va, je consomme du Fred, y a pas de soucis, ça. Hack niveau 36-37. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Et petite particularité que je vais vous montrer. L'idéal, ce serait qu'on arrive à 200$ assez rapidement. Parce que dans le jeu, il y a ceci. Il faut juste que je retrouve où c'est. C'est. C'est pas là. C'est pas ici. Zut, c'est où? City Hall, non. C'est pas dans la Travel Agency. C'est pas l'hôpital, c'est pas ça. Ça, les G, c'est les gymnases. Ah, c'est ça, Alpha Entreprise. Voilà. Et je peux. Voilà, pour 200K, je peux acheter un Tor Router. Qui me permet d'accéder à des serveurs supplémentaires. Mais enfin voilà quoi, c'est Ah bah c'est bon, je peux. Donc on va l'acheter. Bing. Et là j'ai accès à des nouveaux serveurs que mes scripts vont tout seuls aller chercher. Ils vont les intégrer au nouveau nœud. Quand ils vont repasser par Home. Et puis voilà. Ok. Voilà. Donc on vient d'être contacté aussi par CyberSec, qui est une faction. C'est drôle, c'est eux qui m'ont contacté en premier. Tiens, c'est. J'avais jamais. D'habitude, c'est nos. Mycelos. Ouais, donc il faudrait que j'arrive à accéder aux routes de ces secs. On peut faire ça. On peut faire ça. Faut qu'on arrive à router ces secs. Oui, mais je crois qu'il faut le. Il faut réussir à. Enfin, il faut avoir le. Ah, comment il s'appelle le. Le truc pour pouvoir un premier hack tool, il faut avoir le brut SSH. Bref, oui, on en était au script là. Du coup, moi j'avais fait un truc, donc j'avais fait un truc dans Nodle là. Hop, voilà. Donc ça marche. Donc on va faire ça. On va réécrire ça. Je vais juste l'écrire autrement. Alors pour le moment, je vais mettre une fonction. Je vais même. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une fonction anonyme qui ne s'exécutera pas. Ça me permet juste moi de pouvoir bosser en étant sûr que ce script. Enfin, que le code que je suis en train de taper là ne va pas s'exécuter si jamais je sauvegarde. Du coup, on va faire 2 $. Tools.
est égal. Excusez-moi, j'ai une touche qui déconne. Du coup, voilà. Et on va faire. Alors, comment on le fait? Est-ce qu'on le fait avec clé et. Est-ce qu'on le fait avec clé et valeur? En vrai, on va le faire avec clé et valeur. Ah! Tac, tac, tac. Donc là, CyberSec qui nous contacte pour nous dire, voilà, on a découvert que vous avez quelques trucs. Et ouais, c'est parce que j'ai passé le niveau 50 de hack. J'ai accès au brute force machin. On va terminer l'autolink d'abord et on fera le et on développera le brute SSH après. Du coup, ici, on va faire un système de clés. Vu que c'est des systèmes de clés, faut pas que ce soit des crochets, faut que ce soit des accolades. On va faire ça en JSON. Hop, du coup, on a. Alors, le truc c'est. En fait, on va voir ça. C'est ça. Mince. Ok. Alors, par contre, c'est chiant. Je peux pas faire. Non, je peux pas faire comme NetBeans, c'est sélectionner plusieurs lignes. Avant de copier-coller, c'est un petit peu dommage. Du coup, on va les faire une par une, c'est pas grave. On va optimiser un petit peu ce truc-là pour que ce soit un peu plus beau, un peu plus optimisé, plutôt qu'un enchaînement de if dégueulasse. Parce que c'est pas beau ça. Et du coup, le FTP hack. Ah, excusez-moi. Alors, ça a été très vite. C'est parce que il a fini l'autorun. Du coup, voilà, on se lance dans le brute attaque. Et l'avantage, c'est comme je vous dis, une fois que le brute SH est fini et développé, j'aurai pas à relancer mes scripts. Il y aura pas de soucis. Du coup, j'en étais à FTP crack. Alors, comment j'ai connu ces fonctions-là, hein? C'est simplement, j'étais dans la doc du jeu, hein, simplement. Parce que le jeu a une doc assez complète, faut jouer avec. Comme n'importe quel développeur, en fait, comme n'importe quel développement. Faut se taper la doc. C'est con, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, on va faire un for each. Non. C'est un underscore hack cool. Underscore hack tools. Point for each. Hop, function. Et là, par contre, il va falloir que je fasse. Alors, il me semble que c'est. On fait KV. Et puis, K, ce sera la clé. V, ce sera la fonction. Hop. On met un petit point-virgule. Et donc, on va reprendre cette petite structure-là. On va faire. Voilà.
Et donc, si on fait K, alors V. Si je fais ça, normalement, ça devrait marcher. Je vais juste vérifier le for each pour les tableaux associatifs en JS. JS for each associative array. Tac 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 tac. Non. Allez, un petit for each là. For each, allez. Là, je l'ai. Ah oui, non, mais il a écrit en ES6, lui. C'est l'inverse. Je m'en doutais. C'est le truc un peu pervers. C'est. Normalement, si je fais ça, c'est censé marcher. Hein. Je vais juste faire une toute petite pause et je vous reprends dans un instant. Ok, je suis de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour. Attendez, je regarde un truc parce que. Et ça a duré combien de temps cette histoire? 1h40. Ah, ça va en vrai OBS c'est mieux qu'XSplit niveau taille de fichier, à voir au niveau de la qualité, mais normalement c'est ok. Normalement j'ai mis 1080p et ouais normalement c'est bon. Normalement vous avez du 1080p, 4 mégas de bitrate et 30 fps. C'est suffisant pour le jeu, hein. Honnêtement, on n'est pas sur un jeu à la The Crew où j'ai dû mettre en 60 FPS parce que sinon c'était pas possible. Et un bitrate à 16, donc à 16 mégas. Voilà, c'est autre chose quoi. Alors, on a été à ça. J'avais un doute avec ça parce que là je suis sur. Que ça c'est en ES6. Parce que je sais que ça a changé ça. J'ai pas tout simplement la documentation d'MDN, au moins je suis sûr qu'elle est bonne. Ouais, voilà. Voilà, du coup. Donc ça, c'est les simples tableaux. C'est éléments, index. Et éventuellement un tableau supplémentaire. Excusez-moi, je regarde juste la documentation parce que je veux être sûr de pas me planter avec le for each. Mais ça a l'air d'être ça. C'est con, c'est idiot, c'est. C'est un peu idiot de devoir l'écrire comme ça, mais c'est pas grave. En fait, c'est la valeur puis la clé. Alors que si je l'écrivais en PHP, ça serait.
for each de du tableau as clé valeur. Et dans tous les langages de programmation, ça a plus ou moins cette tronche-là. C'est la clé puis la valeur dans le dans la ligne de code. Mais en JS, allez savoir pourquoi, c'est l'inverse. Parfois, je cherche plus à comprendre. Du coup, ça c'est OK. Et en soi, bah, c'est bon. Du coup, ces horribles if qui sont là, je peux les remplacer par ça. Faut que juste que je mette un var là. Et si je fais ça. Ok, je vais supprimer cette fonction anonyme, du coup. Et là déjà, ça me prend un peu moins de place. Enfin, ça prend, ça me pèse pas moins lourd en RAM, mais le code est un peu plus compact. Et normalement, ça c'est censé marcher. Je revérifie juste la doc une seconde. Putain, mais il s'attarde pas sur les tableaux associatifs, c'est assez agaçant. Ah, c'est quand même agaçant, je trouve pas le. Ah, attendez. Si je fais ça. Là, on est d'accord. Ouais, et encore. C'est pas ça, c'est. Est-ce que ça. En tout cas, je suis sûr de. Non, c'est bon, je suis sûr de la du truc. Mais je voudrais vraiment l'exemple. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouais, donc ok, donc c'est ça. Ok. Très bien. Alors, ok, c'est pas. Si tu veux, allez, si tu veux. Ah, c'est bon, on a le brut SSH. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de temps avec le truc. Avec ça. Du coup, on va tenter cette nouvelle. Ce nouveau truc. On va aller arrêter. Ce script pour mettre la nouvelle version. Voilà. Et on va faire terminal. Run install T7.
Voilà. Et je m'en doutais. Indefinite is not a function, ligne 30. Ah. Est-ce que si je fais ça, tu le tolères? Ah non, évidemment, tu le tolères pas. Est-ce qu'il va considérer que c'est un objet JSON et pas un tableau? Du coup. Ah, va falloir le faire à l'ancienne. Va falloir le faire à l'ancienne. Bon, ok. Et ben, c'est parti. C'est un peu agaçant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça comme ça. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Ça, je vais le supprimer du coup. Ça a l'air de bien se passer. Ça fonctionne. Mais ça m'ennuie. Ça c'est toujours mieux qu'avant, hein. Mais c'est toujours mieux que la suite de if, mais le for pour parcourir, j'aurais aimé utiliser un for each, quoi. C'est object for each en JS.
C'est pas vrai. Pour les tableaux, c'est la valeur avant K. Pour les objets, c'est K avant la valeur. Ah, je peux pas revenir en arrière. Du coup, on va le refaire. C'est dingue. Si c'est un objet avec des accolades, c'est K avant V. Si c'est des crochets, c'est V avant K. C'est débile. Indefinite. Another function name 30. C'est pas indéfini, je le définis juste au-dessus. Est-ce que c'est les crochets qui. Enfin, est-ce que c'est. Est-ce que c'est ça qui n'aime pas? Non, mais je suis obligé de les mettre. Je suis obligé de les mettre. Ou alors... Ou alors je fais autrement. On va pas faire un tableau associatif, on va faire un tableau de dimension. Ce sera plus simple comme ça. À mon avis, ce sera plus simple comme ça. Du coup, ça, je peux le remettre comme ceci. Et ici, en fait, on va faire comme ça. Comme ça. Et ici, on remet les virgules. Ok, comme ça me fait un tableau à deux dimensions. Donc ça, c'est juste maintenant une valeur. Donc c'est V0. Ici, V1. Que ça il l'accepte. Ça marche. Et je trouve ça plus propre. Je trouve ça plus propre en termes de code.